djinns sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées. Et il nous incombe de croire en ce monde. Il ne nous est pas possible de voir le djinn sous sa vraie forme. Attention, méditez bien, sous sa vraie forme. Par contre, pour info, il est possible de le voir s'il prend une autre forme que la sienne. Il vous voit lui et ses suppôts. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah ikhwan. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite, vous fortifie, vous et vos familles. Bienvenue à vous et à toutes et à tous, ikhwan. J'espère que vous allez bien. Je suis retourné à la maison de Jin. Pour la simple et bonne raison que c'est d'ici que Kalal est venu à la base. Et qu'avant de retourner au champ pour tenter quoi que ce soit d'autre, je voudrais savoir s'il est possible de le contacter ici. Il y a aussi le fait que, il y a 2 jours, j'ai rêvé du collier rouge que j'ai trouvé. Salam alaikum. C'est Jalal. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Assalamu alaikum. Donc il y a à peu près 2 jours de ça. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est Jalal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya djinn. J'ai rêvé du collier rouge et Rouen il y a 2 jours. Étant donné que c'est ici que je l'ai trouvé, il s'agit peut-être d'un rêve, un simple rêve par rapport aux événements que j'ai vécus. Parce qu'il ne faut pas se tromper entre les rêves naturels et les rêves où on subit des interventions, en fait, très clairement, qui sont extérieures à notre esprit. Donc il se peut que j'ai rêvé de ça d'une manière naturelle, si je puis dire. Mais il se peut aussi que ça soit un message dissimulé à travers un rêve. Et je comprends pas, en fait. Donc je suis revenu une nouvelle fois pour essayer de prendre contact avec Kalal. Salam alaikum. Fennec. C'est Jalal. Khalik. Si vous êtes là, restez. Je suis venu vous parler. J'ai besoin d'informations. Thank you.
Salam alaikum. Il peut y avoir quelque chose de caché n'importe où, Irwan, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais pas vous mentir, il peut y avoir un truc n'importe où. C'est quoi ça? Bismillah alayla droma, smeh shay. Feror dora ou sema ou semi alalim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, Bismillah la lila droma smei shay. Farar dwara u sema u semi alalim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsim bila la ilaha illallah. Allah azza wa jalla fioula est notre Dieu unique et Mohammed al-Jalla. Bismillah. Salatu wa salam. On est son seul messager. Vous avez entendu, Juan? Que la paix soit sur les compagnons. Fils saute. Parce que ils aiment se cacher, se transformer en différents insectes, animaux ou autres. Souvenez-vous la dernière fois, le coup de l'araignée. Hors de question que je passe par là, s'il y a une bestiole bizarre encore. Ça vient de me pousser, mais violemment, Erwan. Exactement au même endroit que la dernière fois. Je vous veux aucun mal. Écoutez, je suis en quête de réponse. Audubilainan Shaitan al-Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allez, khalik. Vous m'agressez, vous me poussez, vous venez au contact et vous vous montrez pas. En même temps, Erwan, là-bas, il s'agit vraiment de l'espace sale de bain et tout. Donc, je reste prudent. Maîtresse. Après, on va faire différents exercices, Erwan. Je vais essayer de rentrer en contact, essayer de... d'une manière ou d'une autre... de pouvoir... parler à Kalal, alors... en théorie, il se trouve bien à la montagne. Mais le truc... c'est que le bijou, je l'ai trouvé ici. Alors avant d'emmener le bijou à la montagne... Salam alaikum. Je voudrais m'assurer qu'en fait, il n'a pas un lien avec ce lieu-là.
cracher la gorge. Moi et Juan, j'ai du mal à... J'ai du mal à parler. Je sais pas comment dire. Voilà, je sais pas comment dire, Juan. Oh, bismillah. J'ai senti qu'on m'effleurait l'épaule droite. Depuis là, il n'en chait, il la gym. Bismillah, Rahman, Al-Wahim. Bismillah. Il y a une odeur de... Ah, vous pouvez pas sentir, Erwan. Voilà, Hadim. Voilà, Hadim, qu'il y a une odeur de soufre. Vous êtes là? On sait très bien à quoi ça correspond. Je vous ai senti, je vous ai ressenti en plus de ça. Voilà, Hadim, je sens votre odeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. T'as fait. Je sais que vous êtes là, je le sais. Donc pas la peine de tenter de m'agresser ou autre, je suis pas là pour ça. Vous entendez? On dirait que quelqu'un court avec des talons. Ça venait du bas. Voilà, Hadim. Salam alaikum. Maîtresse. Khalik. Là, j'ai juré. Alors pareil, à ne pas confondre la résonance des talons que je viens d'entendre à l'instant. Il peut s'agir d'une entité résiduelle du lieu, j'entends par là une âme défunte qui aurait vécu dans les lieux, qui aurait malheureusement, et qu'Allah Azawaj, elle lui rende la terre légère, perdu la vie en ces murs. Il s'agit peut-être pas non plus d'une entité malfaisante ou autre, mais je viens clairement d'entendre une succession de bruits de talons, genre comme si vraiment une dame marchait ici, quoi. Voilà, Hadim. Bismillah, et vu comment elle marchait, il n'y avait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça sous-entendrait que ça soit une résonance de l'époque avant que la pièce soit dans l'état dans lequel on le voit actuellement. Et vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut bien garder ça à l'esprit. Attendez, voilà, je fais une pause. Je fais une pause parce que chaque minute que je passe ici, là, c'est de pire en pire. Ah, bismillah. Attendez, je transpire du coup, je transpire de partout, Erwan, c'est pas normal. Il fait genre 4 degrés, quoi, c'est carrément pas normal. Donc, comme je disais, Erwan, vu comment ça m'a agressé à l'étage, les choses que ça m'a achetées, les coups que j'ai entendus également. J'ai eu l'impression que quelque chose s'était passé devant la caméra. Je regardais devant moi. Au moment où j'ai baissé les yeux sur l'écran, j'ai cru voir un truc, mais c'était peut-être le faisceau de la lampe, je sais pas trop. On a dit, mais j'ai plus. Bismillah, la lila, trop masse, mais j'ai. Kalal, je sais pas si vous m'entendez, si toutefois c'est le cas. Je suis ici juste pour vous communiquer des informations et en obtenir de votre part. Et j'aimerais que vous me parliez si possible. Je pense qu'après ce qu'on a fait pour vous, il serait légitime de votre part d'essayer de m'en dire plus sur ce qu'il en est. Je me sens vraiment de mes... comme si la maison était chauffée. Je vous m'en parlerai comme si c'était toujours habité. Par la race à Wachel, je vous assure que c'est le ressenti que j'ai, c'est ça. Non mais il ne fait pas froid quoi, mais c'est pas normal.
Bismillah. Bismillah, ya Juan. Attendez, Juan, parce que là, je suis en train de prendre le temps, je suis sous le choc, je vous avouerai que là, il va se passer quelque chose de... Je vais vous débriefer dans la voiture. Enfin, dès que je vais être sorti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, ya Juan. J'ai mes jambes qui me portent à peine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous écoute. Parlez-moi. Faut que je vous explique ce qui vient de se passer, Juan. Ça m'en venait à une vitesse. Je voyais tout. Comment vous expliquer? En fait, je voyais mes mains, je voyais mon corps. Voilà, dis-moi que je me voyais exactement comme je me vois là. Sauf que quand j'essayais de passer, vous voyez ma main là, quand j'essayais de la poser sur ma main gauche, ça traversait mes bras. Je pouvais plus toucher mon corps. Voilà, bismillah, même là, je suis choqué de toucher mon visage depuis tout à l'heure. Et Juan, ça m'a emmené à une vitesse extrêmement
Mais je sais même pas comment vous dire, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu hyper froid, genre vraiment très très froid, et je suis arrivé ici, j'ai... Oh, bismillah. Et il m'a clairement dit qu'il fallait que j'amène le pendentif à la montagne. Et que, apparemment, de ce qu'il a dit, alors pareil, c'est pareil. À prendre avec des pincettes, mais... Il serait un allié du voyageur. Kalal serait un allié du voyageur. Et il m'a dit que c'était le voyageur qui lui avait demandé de me communiquer le pendentif rouge. J'en ai aucune certitude, puisque là, je n'ai pas vu le voyageur, j'ai vu Kalal et je l'ai vu au tunnel. Or, Or, j'étais ici. Dans la maison Mansoura, c'est totalement fou, totalement fou. Comment vous dire, j'avais l'impression de plus sentir mon corps et Juan. Mais comment vous dire ça? Genre, je me tenais debout, je sentais que je me tenais debout sur mes jambes et tout. Mais mon corps était comme totalement translucide, transparent. J'arrivais plus à me toucher, ni visage, ni rien. J'avais conscience d'y être sans pouvoir physiquement me toucher. En fait, pour me parler, il m'a simplement emmené dans le monde illusoire à tous les coups. Et donc, c'est comme ça qu'on se sent là-bas, je pense. Hyper chelou. Je vous assure, je transpire maintenant du front. Wallah, dis-moi que je transpire du front maintenant. J'ai juré. Bismillah. Attendez, attendez. J'ai cru voir un truc. Bismillah. Kalal m'a dit qu'en réalité, Mansoura ferait tout pour récupérer la boîte. Et que c'est justement la manière dont on aura de la détruire qui va sceller notre sort d'une certaine manière. Et visiblement celui du voyageur également, de ce que j'ai compris. Il a rien voulu me dire de plus, j'ai même essayé... Bismillah ! J'ai même essayé de le questionner au sujet justement de ce qu'il pensait. Par rapport à comment on devait s'y prendre, etc. Il m'a très clairement dit... Tu es différent, tu as comme été choisi, car tu vois. Tu vois, car ton cœur est pur. Mais la pureté de ton cœur causera ta perte. Bismillah lalela dromas mei shei, feror douara ou sema ou semi alalim. Bismillah lalela dromas mei shei, feror douara ou sema ou semi alalim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc voilà, Erwan. Bismillah. Que l'appel, l'amour et les bénédictions d'Allah Azawajal soient sur vous et vos familles. Attendez, Juan. Merde. Putain, merde. Excusez-moi pour les grossièretés. Oh. Mon Dieu. Je me mets à pisser le sang du nez. N'hésitez pas à rejoindre, commenter, liker, vous abonner, ça nous aide à publier plus si Dieu le veut, Inch'Allah. Que les bénédictions, les protections, l'amour d'Allah Azawajal, la Fioula soit sur vous, vos familles et vos proches. Amour, paix et bénédiction sur chacun d'entre vous, les frères et sœurs. Je vous dis à très très vite, alaykoum salam.